Et salut tout le monde, c'est Max Blade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, vidéo invocation, où on va invoquer sur le portail qui est sorti ce matin de Gotenks SSJ3 et de Super Buu. Avant ça, on va aller dans la boîte à cadeaux, j'ai fait exprès de ne pas les prendre. Donc on a eu 100 cristaux pour la prolongation de la maintenance et 100 cristaux de la campagne des 300 000 followers. On en a déjà eu quelques-uns jusque là, donc on prend, hein, c'est toujours des cristaux, donc là je vais les récupérer. Voilà. Hop. Et on va ensuite aller sur les tirages. Donc j'ai 4000 cristaux, j'espère ne pas tout mettre dessus. Clairement je vise le Gotenks SSJ3, le Super Buu est excellent aussi, donc on va voir après. On va d'abord aller faire toutes les petites singles avant. On va faire le pack maître 2. Et après, comme ça, on se chauffe. Et après, on ira sur le portail où on fera un maximum de 4 multi. Si je drop avant le Goten, je suis pas sûr que je continuerai. Parce que clairement, on approche des 1 an. Et potentiellement, de portail fou. Ou de step up. Ou... Voilà, des choses où clairement les cristaux, on va en avoir besoin et Legend sait nous les faire cramer avant. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais pas insister. Je pourrais avoir déjà presque 5000 cristaux, voire les avoir. Mais dans tous les cas, je ne réinvoquerai pas sur le portail derrière. Tout simplement parce que même si j'arrive à avoir 1000 cristaux là, sans compter après en PVP et tout ça, si j'arrive à me classer... Et tout simplement, ça me fera déjà un peu de cristaux d'avance pour le prochain. Sachant que je ne compte pas invoquer, je pense, sur le Broly et le métal couleur, hormis des stats de ouf sur les cartes. Mais pour l'instant, honnêtement, je compte skipper le portail, sauf si je me rends compte qu'il faut, les faut absolument ou n'importe quoi. Mais pour l'instant, je n'invoquerai pas, je pense, en tout cas sur le prochain mois. On passe au Girl Rising. 3 capsules. On marave le Freezer. Glisse et bleu, on se transforme pas. Donc à la limite que j'avais pas de sparking là, même sur les singles ça me gêne pas, tant que j'ai rapidement des sparkings sur le bon portail, ça m'arrangerait. Voilà, le Sauzer qui va passer 3 étoiles, clairement on s'en fiche. Donc voilà, on arrive sur le portail. Avant de faire même, on va commencer par un single avant, mais avant de la faire... N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ceux que ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour tout ce qui est YouTube. Je mettrai aussi tous les liens dans la description, le Twitter où je suis très actif, ma chaîne Twitch où principalement c'est là que je vais aller faire des lives. Il y a le Snapchat, il y a tout ça, donc n'hésitez vraiment pas, mais surtout un max de pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche pour voir les prochaines vidéos. Normalement, si tout se passe bien, très très prochainement, je réserve des vidéos vraiment intéressantes. Et pourquoi pas quelque chose qui pourrait être sympa, un petit concours ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je mettrai tous les liens dans la description. Et n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On part pour la single à 20. Donc clairement, moi je vise le Gotenks. Le Super Buu, je ne dirais pas non. On ne sera pas spoil parce que j'ai téléchargé toutes les données. Donc là, sur la single avant, on se fait marave. C'est pas trop gênant. Un héros. On s'en fiche. Voilà, donc on va bien ressortir pour aller sur le bon portail pour avoir 999 pouvoirs Z. Et on va lancer donc la première multi. En espérant vraiment dropper le Gotenks. J'ai même pas pensé à regarder le portail. 2 capsules.
Ça annonce rien de top top pour l'instant. Freezer esquive. Glissé or et rouge, donc extrême garantie. Ok. Je pense qu'on va partir que pour de l'extrême. Jaco Hero, Vegeta Hero, l'extrême. Il sera la Caulifla que je n'avais pas, donc je prends. Goku Hero, Cell Hero, Sauveur Hero, un autre extrême, le Vegeta, le Doria Hero, Freezer, première forme Hero, encore le Freezer. Voilà, bon, déjà on a une nouvelle carte, donc on va pas se plaindre. Avant de continuer, on va quand même aller checker le détecteur, chose que je n'ai pas fait. Donc voilà, la sim numéro 1, elle est là, le Gotenks, donc qui est de type jaune. On regardera le reste un peu plus tard si je les drop. Ensuite, le Super Boo violet, donc un violet de qualité pour la team Regen. Le Boo vert, le Gotenks violet, un peu aux F les deux, hein. Et le Trunks jaune en 5e Sparking. Il y a également donc un extrême qui est le Slug, qu'on peut avoir aussi, hein, pourquoi pas. Et voilà. Donc la sim numéro 1, c'est vraiment celui-là. Après, ce sera le Boo et le Slug. Donc, il nous reste 3 multi maximum. Hop. On est reparti. Namek en feu. J'ai pas le temps de voir, je crois que c'est 3 capsules. Il se transforme. On esquive. Patate dans le bide à Freezer. Glissé bleu. Allez. Petit sparking là, ce serait cool. Égalité. Rien de garanti. Sauzer Hero. Saibaman. Paekwan. Son Gohan petit en héros. Zarbon héros. Sauzer héros. Lui il me poursuit aujourd'hui. Le Doria héros. Un extrême. Le Piccolo. Saibaman héros. C'est multi qui a l'air d'être à chier. Goku héros. Ah ouais, clairement la multi à chier. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là on est à 2 multi sans sparking. Ça commence à piquer un peu. Une capsule où je commence à mal le sentir, ce portail invocation. Ouais, 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 c'est pas tété pour l'instant. Tenshinhan. Piccolo, Chao Zero, pour l'instant on part que sur du héros, un extrême, Trunks jeune, Raditz, un deuxième extrême, doublon de Caulifla du coup, ah, la Zizou, non mais c'est une blague, le bout quoi, celui qu'on sparking on veut limite le moins. Ouais. Bah ça craint. Il nous reste une multi. Waouh. Lui il va toujours booster un peu plus la régène. C'est. Bon voilà, c'est pas un doublon inutile, mais. Ouais, ouais, ouais. Dernière multi. Oubliez pas les gars. Un max de pouces bleus. Je pense que même si c'est. Après, ça doit être rétroactif. Plus il y aura de pouces bleus, plus j'ai de chances de dropper des bonnes unités. Donc, n'hésitez pas. Allez, on lance la dernière multi. Une capsule. Wow. Oh, ça craint. Double esquive des deux côtés. Glisser bleu.
Je le sens, mais absolument pas. Égalité. Un extrême. Raditz. Un autre extrême. Piccolo. Ah, je le sens vraiment mal. En ce moment, j'ai pas énormément de chance sur les drops. Légende a été un peu plus cool que Dokkan sur les derniers portails. Mais je pense que là, il va me faire le retour de médaille. Ouais, clairement. C'est clairement ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous savez quoi? On vient d'avoir 200 cristaux offerts. Je vais faire deux singles. J'y crois pas, hein. Mais allez. Et après, j'arrêterai là parce que clairement. Voilà, on n'aura rien, on va la skip. Clairement, à la base, je voulais au moins garder 1000, 2000 cristaux. J'espérais. Bah, c'est raté. Une seule capsule, Namek en feu. Dernière chance, et après bah on n'aura plus que les singles chaque jour à 20 cristaux pour espérer dropper un des deux nouveaux sparkings. Voilà. Et bah j'ai pas eu de chance, j'espère que vous en aurez plus que moi. Ce sera peut-être pas compliqué pour ceux qu'on peut invoquer. Ceux qui ont invoqué, bah j'espère que vous avez droppé ce que vous vouliez. Nous on fera 100. Il y aura très prochainement une vidéo sur... l'événement du Yamcha qui vient d'arriver. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là, puisque bah, malheureusement, j'ai pas droppé ni le Gotenks, ni le Super Buu. Voilà, hein, pas de chance pour moi, mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Donc voilà, bah, pour me rebooster un peu, hein, n'oubliez pas un maximum de pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche, me rejoindre sur Twitter, et ainsi de suite sur les différents réseaux. Je mettrai, comme j'ai dit, tous les liens dans la description. Du coup, on va se laisser là. Et puis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.